qui assure. Voilà. Itachi. Également Eagle Club pour l'instant. Ultimatum, Wamu Club, Chizo, ancien Chizo, ultimatum. Attention, regardez, il s'appelle Ultimatum. Il est du club Mampala. Il vient de monter sur le tatami il n'y a pas longtemps. Il s'appelle Ultimatum. Il est très fort. Il a mis Jibika en difficulté la fois passée. Regardez comment il est devenu tête de série numéro 1 dans ce club. Et voilà, il se fait accompagner de plusieurs catcheurs. Il y a Bébé Rico, il y a Morgue Papa Chéri, Masta Bakosa Kyokissi, il y a également Python, il y a Gomor. Voilà, c'est notre ami. Voilà, c'est vraiment la génération qui monte. Voilà, voici l'entrée du catcheur Mulozi. C'est lui-là même qu'on appelle le sorcier du ring, qui va catcher Ultimatum du club Mampala. Sorcier du ring face à Ultimatum. Voilà, mesdames et messieurs, voici Ultimatum. Il est en culotte noire. Mulozi vient d'entrer avec son style. Il va se débarrasser d'abord de ses éléments, ses chaînettes ou ses chapelets, y compris également. C'est différents tissus, sans oublier une corde. Mulozi, mesdames et messieurs, a déjà affronté Ultimatum à la 4. Mulozi peut avoir la capacité de battre Ultimatum, parce que Ultimatum d'aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'on avait rencontré à la Katuba. Il a changé de style, il est très fort. D'abord, il avait tenu Mordicus face au maître de Mulozi, Jibi qui va des manchettes. C'est le début, Mfalme, de ce combat, Ultimatum face à Mulozi. C'est le début, c'est un très beau combat, un combat de la soirée. Moi, je me dis dans mon fort intérieur que ce combat devrait être le dernier, parce que Ultimatum, c'est parmi les catcheurs de cette province qui assure. Voilà, Ultimatum donne de coups. Une projection faite par Ultimatum à Mulozi. Mulozi, il est en jupette rouge. Coup donné par Ultimatum. Je pense que ça sera sérieux. Mulozi vient de quitter le tatami. Le vieux Loubari en difficulté. Voilà, le vieux Loubari. Bordeaux, les catcheurs de la Katuba face aux catcheurs de la Jekamine. L'arbitre aussi de la Jekamine. Mulozi qui vient de retourner dans les rings. Chris Zéou, c'est la deuxième fois. La première fois, Mulozi avait battu Ultimatum. Et aujourd'hui, je ne pense pas que Mulozi peut battre encore Ultimatum. Mambonita, tant, wakati le onasema Ultimatum, masukwe iveko Ultimatum. Depuis que tu es arrivé, ba Serge Club Mampala, elle est à kupanda mauvais sana. Voilà pourquoi Babani Babale, étranglement bien joué. Ultimatum, ou voilà, peko ma mystique. Allez, Balavigna. Voilà, c'est ça. Mulozi est étranglé, étranglement des hommes. Voilà. Ça, c'est Dar Salam qui voulait que Ultimatum en pique les genoux. Mais Dieu a commencé à dire Dar Salam, on pique bien quoi les genoux. Dieu a connu ça que Ultimatum en Ashkiaka. Allez, Ultimatum. Ultimatum, mon club, Mampala, tête de série. Qu'est-ce qui va se passer? Ancien club, il y a Itachi. Également, Eagle Club pour l'instant. Il fallait couper accident de circulation. Il y a Kilengo du Ultimatum à Panda. Voilà, c'est comme ça. Tout le monde est remplaçable. Mulozi est toujours accéléré du ring, mesdames et messieurs. Mulozi, aujourd'hui, en difficulté. C'est Antilope et haute tension qui vont retourner Mulozi. Mulozi qui doit rentrer. Voilà. Et Ultimatum qui attend. Un peu masqué, Mufalme. Un peu masqué, bien battu, bien habillé, très sérieux. Il est là, Ultimatum, mesdames et messieurs. Il récupère la situation. Il va tenter de projeter Mulozi. C'est une projection. Coup de genou donné par Mulozi. Non, ça ne tient pas. Ultimatum vient de donner un coup magique à Mulozi. Il a donné également
aux acolytes qui ont accompagné Molozi un coup. Ils viennent de tomber, ils se sont relevés. Voilà, lui c'est Molozi de la Katouba. Donc c'est la Katouba face à la Jekamine. Coup de genou, donnez pas le ultimatum, c'est bon. Il a un pique à ça, Malabala. Oui, oui. Il est tu m'as regardé ça, il est à Chinako. Mesdames et messieurs, Molozi aujourd'hui est en difficulté. Ultimatum va tenter de le projeter. Molozi a donné un coup de genou. Ultimatum qui avance vers Molozi. Un coup à la tête. Ultimatum est tombé. Ultimatum, ça c'est la première projection. Et ce sont les acolytes d'Ultimatum qui sont tombés, excepté Morgue. Excepté Morgue qui va réveiller tout le monde. Voilà, Ultimatum qui vient de récupérer. Il veut tenter encore une projection. Allez, ce serait tombé. Une, deux, non, simplement deux. Ultimatum n'a pas réussi à gagner Molozi dans ce sens-là. Il se relève un peu, il tient les cordes, il regarde son adversaire. L'homme de Salongo, l'homme de la Jekamine, la générale des carrières des mines, la société qui a fait à ce que Lubumbashi soit la capitale du cuivre. Attention, une projection de Ultimatum du club Mampala de la Jekamine. Il n'y a personne qui ne connaît pas la Jekamine. Coup magique donné par Ultimatum. Attention, ça va se compter au rythme de l'arbitre. Une, deux, non. Ce n'est pas fini parce que le combat continue. C'est Ultimatum qui doit appliquer toutes les techniques possibles pour gagner ce combat. Anne-Marie Feza, Ngole, Binti Meso, juge d'instance, suit ce combat. Ingénieur Cédric Tcheto, Gisèle Kalinda, la maman de Black Lady, suit aussi ce combat. William Skito, Atansia Kafante, et Josser Kabang, Olivier Ngandou, suivent ce combat. Regardez ici, nous sommes au stade Kibasa Maliba, dans la ville de Lubumbashi, la commune de Kenya, en République démocratique du Congo. Molozi qui a récupéré les premiers tissus. Il va peut-être les frapper avec les deux tissus un peu sales. Hein. Il frappe pour la première fois. Il va frapper pour la deuxième fois. Il frappe pour la troisième fois. Voilà, il tombe. Molozi est tombé. Tombé, Morgue qui demande de tomber. Non, tout assez, il fallait peut-être tomber parce que Molozi, il faut bon, allez, voilà, Sampoulou là, Banti là, pour parler d'Achidi, allez, Molozi, la Simama, Bordeaux, sorcier du ring, Kumbela, ultimatum, Chrysostome Mamba, allez, Trogomuring, il y a stade, Kibasa Maliba, commune à Kenya, pour assister au festival. Il voulait réunir quatre grands catcheurs, mais malheureusement, les quatre grands catcheurs-là ne se sont pas rencontrés. Bien, Molozi a tout pris, Chris Nzeou, il a tout pris. Il a peut-être qu'une corne peut-être va souffler, comme on a toujours fait. Il va peut-être souffler. Sous... Oui, peut-être ça sera fini pour Ultimatum du club Mampala. Regardez, Molozi en train d'hypnotiser Ultimatum. Voilà, ça va se compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Allez. Et victoire de Molozi. Allez, victoire, Chris Nzeou de Molozi. Ultimatum est battu. Deuxième victoire. Yamulozi, Kumbela, ultimatum. Ultimatum. On a quoi chigny. Molozi a gagné le combat. En attendant, entrez à Gomora. Oui, fais attention. Et bon, Pepula. Bon, Pepula. Et Piton. On se voit là tout chapeau. Béré, on a un problème. Loi qui est bord. Qui tu as, Molozi? Bon, on a Sampoulou, on a un peu de Kumbela. Allez, Bakacher, on a Panda Paringa. Jouer à Kumo défié, maman. Terminator. Oui, Terminator est tombé. C'est
Puma Beberico. Beberico. Et là, Beberico tombé. C'est Morgue qui va maintenant s'introduire. C'est Morgue qui va entrer. Voilà, Morgue. Marto. Moulozi face à Morgue, mesdames et messieurs. Ça ne fonctionne pas toujours. Moulozi est tombé. Moulozi est tombé, Christo. Et il a fouillé. Oui, Moulozi la Pepuka Mombele. Master Bakosa Kiokisi. Moulozi Bakosa Elle. Papa Seri. Oui, Tini. Tini. En attendant le combat à Tatukalamba. Danger de mort face à Jubiko Makanjinga. Après le combat, Moutafota y a Mouincho Sasa entre Chuma Kumaï. Mouali Moumarabou pour la deuxième fois, mais première fois, allez, victoire confirmée. Quoi, arbitre Apollo, allez, ça couvre l'Apollo. En attendant, Bakachar Botamo Club, Mampala, Baladi concentré, Djokou Moulamoucha, ultimatum. Ultimatum, c'est vraiment décevant. Bienvenue, Kamunga. C'est vraiment décevant, je m'attendais à la victoire d'Ultimatum pour se relancer un tout petit peu. Ultimatum qui a d'abord fait tomber tous ses acolytes. Et il est debout. Il est debout au centre du ring. Ah, mon ami intime, Ultimatum. Mon ami intime. Apparemment, il ne comprend pas, enfin, mais ce qui vient de se passer. Apparemment, il n'a pas compris. Moulozi a utilisé de la superstition. Chris Zéou, tu vas devoir parler avec Moulozi pour qu'il nous dise qu'est-ce qu'il a utilisé pour gagner ce combat. Voilà, Moulozi. Après victoire, il y a Kokoumé l'ultimatum. Deuxième fois, après vous voyez, il y a pour la tena, on a moins un budget. Ah, ni cacher ou angouf, mais mina chez ana, mon technique angouf. Ça ouais, on a tafta mélénine, on a tafta mélénine, Kokoumé la bacacher. Mais à part, ni qu'au besoin un ami, ni pas te consentir. Jo angouf, il y a angouf de mignonaria, ça veut dire bateau toi quand tu vas bien onaria, mulozi manawina banawina, mina sapana. I tour, ni toi tajé. Voilà, Moulozi, peut-être la question à Mouincho, ou Kacher Mouazamani Sana, Banasema, tant que Okumpeme na Jibika Makanjinga, Otabebaka ceinture. Ah, pana, Jibika Anana Romoubaya. Je parle de tout au château, château, ou taona tout. Donc, où ça, papa Wemba, na redi à Missi? Ouais, ça, on a lise, on a eu à tel, on a lise à Malengi. Il se matom, combat le compliqué. Journal est au niveau de concentré. Nous n'acquérions qu'il n'est pas dans mon club. Et qui a Pelika? Nous n'acquérions qu'à Pelika. Alors qu'il faut déjà nous sauver. Nous avons trouvé. Bon, si nous concentrons bien, le problème est que nous avons eu ce que nous avons eu combat. Allez, on a compris. Si vous avez eu ce que nous avons eu ce combat. Ah, il est bon, il est bon. Bon, on a profité comme là, on a eu ce que nous avons. Je suis préparé à 6 minutes de combat dans le journal. Bon, ma fanatique en Gouba Tchungé, Moulozi, il faut le mouiller, il faut le piquer, il faut le piquer. Il faut profiter de la Kirio qui est tout là qui est au club. Ça va, merci.